Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 26 juin 2021, direction l'hippodrome de Compiègne. Pour le prix au-delà des pistes, troisième course de la Réunion 1, où 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce gros handicap divisé de première épreuve à la location totale de 50 000 euros, nous devrions assister à un joli sprint final. Il faudra avoir beaucoup de tenue pour espérer jouer le succès sur le parcours de longue haleine des 2800 mètres. Une fois encore, élargir ses combinaisons semble être la très bonne solution avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Kous. Piloté par Michael Barzalona pour la circonstance, ce pensionnaire d'André Fab portant la casaque d'Alchaka Racing peut profiter au maximum de son numéro 5 pour se placer rapidement à proximité des leaders et terminer le plus vite dans la dernière ligne droite. En deuxième choix, le numéro 4, Max Lafripouille. Âgé de 9 ans, ce fils de Panis est extrêmement expérimenté à ce niveau de compétition. D'une louable régularité depuis le début de l'année, il doit encore terminer dans les 5 premiers. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Palus Argenteus. Christophe Escudère l'aime bien et pense qu'en pareille société, il peut enfin renouer avec le succès, lui qui vient de terminer deux fois dauphin dans des épreuves de Quintée Plus. En quatrième position viendra le numéro 11, Anecdotique. Il a retrouvé la forme depuis deux courses et Nicolas Collery, son entraîneur, compte sur Grégory Benoît pour espérer jouer le succès. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Gypsy Jet Set. Christophe Escudère est un homme très adroit, bien armé donc avec Palus Argenteus, mais il compte également sur ce fils d'Erchif Marshall et l'aide de Christophe Soumillon pour terminer sur le podium. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 13, Bubble Smart. Cette femelle de 4 ans, présentée par Michael Delzangle, reste sur une fin de course étonnamment bonne à Strasbourg. Ayant remis les compteurs à zéro, elle doit confirmer aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 10, Rocaillou. Avec ses fameuses œillères pleines, cette femelle entraînée par Jess Paris peut largement espérer confirmer ses deux dernières performances. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Côté Jardin. Invaincu en deux tentatives en 2021, il va tout simplement tenter de le rester pour ses débuts dans les handicaps. En cas de non-partant, le numéro 6, San Salvador, présenté par l'habile et sympathique Carmen Boxay, partira avec notre confiance et introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono et Turf Sélection indique encore une fois le tiercé dans le désordre, malheureusement pas très rémunérateur cette fois. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.